fait une évaluation environnementale du site. Il y avait l'ancien projet immobilier. Mm-hmm. On disait qu'il y avait des milieux humides, que c'était important de les protéger. Puis dans l'évaluation, pour notre vote, les milieux humides. Non, mais au contraire, j'ai dit ça hier, je pense, en entrevue. Le projet immobilier était sur les milieux humides. Il était refusé parce qu'il n'a pas bougé. Nordvolt n'est pas sur les milieux humides en question. Donc, au contraire, Nordvolt respecte l'environnement, respecte les normes. C'est une très bonne nouvelle. C'est beau d'avoir déjà dit que c'est un site où il y a probablement dans la rivière des poissons à trois yeux. OK, oui, je me très bien. Et d'ailleurs, tu sais, c'est pas le jardin d'Éden, ça, là, où Adam et Ève ont coqué la pomme. Là. Ça veut dire que c'est un terrain qui était contaminé, c'est un terrain qui était le CIL, contaminé pendant des années. Alors, parlez aux gens de Saint-Basile, de Castreville. C'est un terrain qui était oublié. Là. Est-ce que le projet menaçait d'une quelconque façon, toutes les controverses, par s'accumuler tout ça pour faire dormir? Selon moi, non. Je pense que la population a vu le projet. Vous pensez que ça va aller de l'avant quand même? Oui.